ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Mes frères et mes sœurs, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes réunis pour lire ensemble et étudier ensemble sur trois cours, inshallah, un texte du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab qui s'appelle les quatre règles fondamentales, Al-Qawaid al-Arba'u. Ce texte, cet épître, il n'est pas long, il est très court, mais il est essentiel, comme vous allez le découvrir, ou bien comme vous l'avez déjà découvert auparavant, pour ceux qui l'ont déjà étudié auparavant. Tout d'abord, on entend beaucoup parler de Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah. Pourquoi l'étude de ces textes dans les points de l'aqida est une chose qui est de plus en plus répandue? Premièrement, car Allah subhanahu wa ta'ala a choisi en toute époque des savants, des gens qui renouvellent et qui revivifient la religion et qui remettent la lumière sur des points de l'islam et de la religion qui étaient délaissés ou oubliés ou bien altérés. Le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, au XIIe siècle de l'Égypte, ce qui équivaut à peu près dans les années 1700 de l'ère chrétienne, l'ère grégorienne, Allah Ta'ala l'a choisi pour faire revivre le tawhid d'abord en Arabie, dans la péninsule arabique, puis se s'est répandu, alhamdulillah, dans le monde entier. Quel était l'état de l'Arabie pendant l'époque, c'est-à-dire avant de parler de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, on va faire un peu l'état rapide de l'Arabie, comment il était. La péninsule arabique, elle était dirigée d'une manière tribale. C'est-à-dire que chaque tribu avait un roi ou un émir, commandant, et les grandes tribus avaient des petites tribus sous ses ordres ou des pactes avec des petites tribus, et c'était comme ça dans le Najd. Le Najd, c'est une région de l'Arabie qui est à peu près dans le nord-est ou vers le centre, on va dire est de l'Arabie.
Les seuls endroits qui n'étaient pas, on va dire, dirigés par les tribus arabes directement, c'était Mecca et El-Madina, qui étaient sous la direction des Ottomans et qui avaient mis là-bas comme dirigeant la famille l'Ashraf, comme on dit, les descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Hashimites, qui sont aujourd'hui la famille royale de Jordanie. C'était eux, c'était leur famille qui était à l'époque gouverneur des lieux saints, sous la direction de l'Empire ottoman. L'Empire ottoman, c'est-à-dire la da'wa qui était faite et l'islam qui était répandu à l'époque, ce n'est pas l'islam safi pur que l'on connaît dans les textes. Alhamdulillah, ils ont fait beaucoup de bien pour l'islam, ils ont combattu, ils ont répandu l'islam dans pas mal de contrées, en Europe de l'Est, dans les pays tchétchènes, etc. Ils ont été la cause de chasser les chiites d'Égypte et de répandre. On ne va pas dire qu'ils ont répandu Madhab al-Sunna, et ils ont répandu l'Ash'ari, al-Maturidi et la Soufia, hein, à la place du chiisme et du Rafd, qui était installé depuis longtemps, le Ubaydiyoun, qui était installé surtout en Égypte. Donc ça, c'est auparavant. Mais la religion était altérée. C'est-à-dire, dans le monde musulman en général, le tawhid, il était altéré. Le shirk était répandu. L'adoration des tombes était répandue. Invoquer les saints, invoquer les morts en dehors d'Allah, c'était répandu. Adorer les tombes, demander l'aide et le secours à Abdel Qadir Jilani ou à tel, c'était répandu. Alhamdulillah, tout le monde n'était pas comme ça. Il y a toujours eu des mouahidines, bifadlillah. Mais le shirk était répandu. Ça, on parle en général dans le monde musulman. Plus précisément, dans la péninsule arabique, maintenant nous allons parler. Dans la péninsule arabique aussi, le shirk était très répandu. Ils adoraient les djinns en dehors d'Allah. Dans les maisons, ils avaient un coin, ils appelaient le coin du djinn. Ils lui mettaient à manger, ils lui faisaient des offrandes. Ils faisaient des offrandes aux shayatins. Il y avait des mausolées adorées en dehors d'Allah. Parmi eux, pas loin de où était le village de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il y avait le tombeau du frère de Omar ibn al-Khattab, comme yaz'umun. Et il faisait des adorations batila. Ou anwa' min as-sihr, la sorcellerie, les mauvaises croyances, les mauvaises augures, etc. C'était répandu. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, il est né en 1115 de l'Égypte, ce qui équivaut, comme on vous a dit, en l'an 1703 du calendrier grégorien. Il est né dans la ville de Uyayna. Et son père et sa famille, c'était des gens connus dans l'ilm. C'était des gens connus dans la science. Car son père, il était juge de cette contrée. Et l'état des savants qui étaient présents à cette époque-là, que ce soit en Arabie ou autre part, il y avait ceux qui acceptaient ces dérives, il y avait ceux qui n'étaient pas d'accord, qui savaient que ce n'était pas une bonne chose, mais qu'ils étaient manquants, ils se taisaient. Ils ne disaient pas tout haut, ils ne déclaraient pas tout haut que c'était du shirk, que c'était contradictoire à l'islam. Peut-être qu'à leur propre, c'est-à-dire leurs proches ou leur enseignement, ils le disaient, mais ils ne le déclaraient pas tout haut. Donc il a grandi dans une maison de ilm. Et d'ailleurs, il y avait une maktaba, ses frères, son père, ses oncles, ils étaient connus pour connaître le ilm. Et il avait une chaîne, il a appris le fiqh al-Hanbali avec une chaîne de transmission jusqu'à l'imam Ahmad ibn Hanbal,
de son père, comme ça jusqu'à l'imam Ahmed ibn Hanbal. Donc, il a grandi dans cette ambiance. Et très jeune, ils ont trouvé qu'il était très intelligent, qu'il apprenait vite, qu'il avait des avis probants. Et il a, bien sûr, voyagé aussi pour apprendre la science, en plus de ce qu'il a appris chez lui. Il était à Mecca, retrouvé des savants qui étaient spécialistes dans le hadith, dans les règles de l'héritage, Al-Madina aussi. Il a été aussi à Bassora, comme ils disent, en Irak. Et pendant tant que son père il était vivant, il ne pouvait pas faire la da'wa du tawhid comme il voulait. Car son père, il était, ça le gênait, ça lui faisait des problèmes, il ne voulait pas de problèmes. Donc il faisait la da'wa du tawhid, mais son père il lui mettait des freins. Et rapidement, il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et surtout en étudiant les livres de Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah et son élève Ibn al-Qayyim. Car comme vous savez, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, c'était un de ceux qui a combattu le plus la bid'a et les gens de la bid'a et les innovateurs et ceux qui adoraient ceux qui adoraient des gens ou des choses en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand il a été à Al-Basra, alors qu'il était encore tout jeune, même pas peut-être 17 ans, arrivé là-bas, le mufti de Al-Basra, il a repéré que c'était quelqu'un de science, qui avait beaucoup de science. Alors il lui a demandé de faire un dars à la grande mosquée de Basra. Vous imaginez, il a 17 ans, il s'est fait désigner comme enseignant dans la grande mosquée. Et même le mufti et les savants de Basra, ils s'asseyaient à son assise. Ils s'asseyaient à son assise et ils profitaient de sa science. Mais les commerçants de Basra, ils n'aimaient pas l'appel auquel il appelait. Il appelait au tawhid. Et ils mettaient en garde contre le shirk. Donc ils sont venus le voir un soir. Ils l'ont menacé que si tu ne quittes pas la ville, on va te tuer. Et il est parti le matin tôt, pieds nus, il est sorti. Et il est sorti dans la chaleur, dans le désert, pour fuir et pour éviter leurs menaces, qui étaient des menaces sérieuses. Ce n'était pas juste des paroles. Et quand il est revenu, il a trouvé que son père il avait été désigné qadi dans une autre ville. Et que le roi, le prince de cette ville, il était prêt à l'accueillir. Donc il l'a accueilli. Et entre-temps, son père, après cela, est mort. Quand il l'a accueilli, il a fait la da'wa au tawhid. Il était beaucoup plus libre de faire la da'wa au tawhid. Et ce prince-là avait des pactes avec d'autres princes plus grands. Avec d'autres rois plus grands, à qui il leur donnait des impôts, ou avec qui il avait des pactes. Donc, il a eu peur pour lui, il a eu des menaces des autres rois. Là, il y a quelqu'un chez toi, ils lui ont dit, il y a une personne chez toi qui appelle à une religion que nous, on ne connaît pas. Il dit des choses qui sont contradictoires à nos habitudes. Donc, il lui a demandé de sortir. Il lui a demandé de sortir de cette ville. Quand il est sorti, donc ça c'était Hureymila, quand il est sorti et a cherché qui pourrait l'accueillir pour l'aider dans la da'wa, qui serait prêt, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il était à Al-Madina et qu'il allait voir les tribus qui venaient au Hajj à Mina, qui leur disait Man ya'wini من ينصرني لأبلغ رسالة ربي فله الجنة. Qui m'accueille, qui m'aide à transmettre le message de mon Seigneur, je lui promets le paradis.
Donc ça, c'est la sunna des héritiers des prophètes aussi, qu'ils se font chasser de leur ville, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont essayé de le chasser de Mecca, puis il a fait la hijra al-Madina pour trouver des ansar, des gens qui l'ont aidé, des secoureurs. Et c'est de là qu'il est arrivé et qu'il a trouvé Ad-Dar'iyya. Ad-Dar'iyya, c'était un village qui était tenu, dont le prince était Mohammed ben Saoud. Mohammed ben Saoud. Avant son arrivée, quand il est arrivé, qu'il l'appelait au Tawhid, qu'il était sur la place, c'est-à-dire du village, ils l'ont accueilli, un étranger qui vient, ils ont déjà entendu parler de lui. Tous les villages, les villes du Najd, ils ont entendu, il faisait du bruit. La femme de Mohammed ibn Saoud, son épouse, et son frère, ils ont été voir Mohammed ibn Saoud. Et surtout son épouse, elle lui a dit, écoute, cet homme-là, c'est Allah qui te l'a envoyé. Va l'accueillir sur la place du village et montre-lui du respect. Le fait que toi, tu es le prince, le roi du village, et que tu ailles l'accueillir, les gens vont le respecter. Alors, Mohammed ibn Saoud, il a écouté le conseil de son épouse qui lui a dit, si cet homme qu'Allah t'a envoyé, c'est un cadeau d'Allah, alors ne le rate pas. Et effectivement, il l'a accueilli du meilleur des accueils et il lui a proposé un marché, un contrat. Ce contrat-là qui lie la famille Ali Sheikh et la famille Ben Saoud jusqu'à aujourd'hui. C'est un contrat. Quel est ce contrat? Mohammed Ben Saoud, il lui a dit, écoute, je vais t'aider à répandre ta da'wah. Et je vais mettre tous mes moyens au service de la da'wah. Mais à deux conditions. Si Allah Ta'ala nous donne la victoire, tu ne me laisses pas. Et tu ne repars pas dans ton pays d'origine, dans ton village d'origine, mais tu restes avec nous et tu nous aides à diriger le din. Tu restes et tu nous aides à diriger selon le din. Il a dit ça, c'est la première condition. Il a dit la deuxième condition, c'est que ce que je prends habituellement aux gens comme impôt, si demain je gagne, tu ne m'empêches pas de prendre ces impôts, si on vint. Alors, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, qui suit l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui proposait un pacte pour l'aider, s'il y avait dans ce pacte une condition qui n'était pas acceptable par la religion, il l'a refusée. Même en état de faiblesse, même en difficulté. C'est pas comme certains aujourd'hui qui diraient, ah oui, mais c'est pas grave, on est en état de faiblesse, on accepte des pactes bizarres, des pactes qui sont contradictoires à l'islam, avec des croyances contradictoires à l'islam, ou avec des pratiques contradictoires à l'islam. Non. Alors il lui a dit, la première condition, elle est pour toi. Mais la deuxième condition, non. Car Allah t'a interdit de prendre des impôts aux gens. Car Allah t'a interdit de prendre des impôts aux gens. Et Allah, il va t'enrichir. N'aie pas peur. Donc, Mohammed ben Saoud a accepté. Et c'est là que Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il lui a annoncé la bonne nouvelle. Et il lui a annoncé qu'Allah va l'aider et va établir son pouvoir, car lui, il a voulu établir la religion d'Allah. Il faut voir l'époque. C'est-à-dire, ils avaient tout le monde contre eux. C'était un tout petit village. Il fallait vraiment avoir une confiance en Allah pour accepter cela. C'est pas croire que c'était facile. À partir de là, ils ont appelé au tawhid. Et il y a eu des dizaines et des centaines de gens qui ont fait la hijra vers le village
de la famille Saoud, Ad-Dar'iyya, où était Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab, pour apprendre avec lui le tawhid et pour apprendre avec lui la religion de l'islam. Et ils ont commencé à envoyer des émissaires pour faire da'wah, pour appeler les gens au tawhid, les villages et les villes avoisinantes qui pratiquaient le shirk, qui adoraient des divinités en dehors d'Allah. Même si ce n'est pas tous, mais c'était répandu. Donc ils allaient leur demander de détruire leurs tombeaux, d'arrêter d'adorer les djinns, de ne pas aller voir les sorciers, etc. Ils appelaient au tawhid. Comme je vous ai dit, ce n'était pas un état. Il y avait plusieurs rois. C'est comme si on considérait que c'était plusieurs états islamiques côte à côte, ou bien plutôt plusieurs états, parce qu'on ne sait pas s'ils étaient musulmans, pour dire islamiques. Non. Comment ils étaient, Allahu a'lam. Plusieurs états musulmans, on va dire, Inch'Allah, côte à côte. Et donc, Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab et la famille Saoud, ils ne se sont pas rebellés contre leur gouverneur, comme certains voudraient faire croire. Ils ne se sont pas rebellés contre le gouverneur sous qui ils étaient. Ils n'avaient pas d'autorité, c'était eux l'autorité de leur endroit. C'est comme si aujourd'hui, on va dire par exemple, la Tunisie, elle est voisine de l'Algérie. Et en Tunisie, ils décident par exemple de dire aux Algériens, voilà, ils leur envoient un message, si vous ne décidez pas de revenir au Tawhid, on va venir vous attaquer. Vous comprenez comment ça s'est passé? Ce n'était pas, c'est-à-dire ils n'étaient pas sous l'autorité des villes et des villages et qui étaient autour, même pas sous l'autorité de l'Empire Ottoman. Car l'Empire Ottoman n'avait pas son autorité sur les villages et sur le Najd. Comme je vous ai dit, il avait son autorité que sur Mecca et le Médine. D'accord? Donc Allah tabaraka wa ta'ala leur a donné l'aide et l'appui. Et la da'wah s'est répandue et les villages et les villes qui n'acceptaient pas la da'wah du tawhid, ils faisaient comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils leur proposaient la da'wah du tawhid. S'ils la refusaient, ils les combattaient. Et ils instauraient là-bas le tawhid et l'enseignement du tawhid. Et comme ça, on va dire, leur petit village, il a grandi et leur pouvoir il s'est étalé. Et ça posait des problèmes à l'Empire ottoman. Donc, ils ont fait intervenir leurs savants, qui étaient des soufis, Maturidi, pour rendre mécréants les Saoud et les Alger. Dire ceux-là, c'est des mécréants, c'est des apostats. Ils sont des apostats. Donc ils ont fait la fatwa que ce sont des koufars, ce ne sont pas des musulmans. Ils leur ont interdit de venir au Hajj pendant 7 années. Vous comprenez un peu comment ça se passe. C'est le monde à l'envers. Celui qui adore les tombes, c'est un musulman. Et celui qui appelle au tawhid, c'est un apostat. Pour comprendre un peu comment ça s'est passé. Allah tabaraka wa ta'ala leur a donné l'appui et l'aide peu à peu. Donc la famille Saoud, après Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab, il a vieilli. Et Allah tabaraka wa ta'ala leur a donné l'aide et les descendants, ils ont pris Mecca et Medina. Quand ils sont rentrés à Mecca, ils ont trouvé la catastrophe. Des danseuses, la musique, les tombeaux. C'était rien à voir avec ce pourquoi Mecca devait être. Et, alhamdoulilah, ils sont rentrés. La première chose qu'ils ont fait, ils ont interdit ces choses-là. Ils ont rasé les tombeaux. Ils ont appelé au tawhid. Et il y a eu après plusieurs étapes. On n'est pas là pour parler de la Daoula Saoudia. Il y a eu 3 Daoula Saoudia. La première, après ils ont été rechassés, ils sont redevenus petits, la deuxième, puis la troisième, celle du roi Abdelaziz Al-Saoud, qui a établi, on va dire, l'état-nation, comme on dirait, l'état saoudien qu'on connaît aujourd'hui. Là. Donc maintenant vous comprenez mieux comment, quel est ce pacte. Donc tout ce qu'on entend aujourd'hui, Ali Sheikh, Sheikh Saleh, Ali Sheikh, Sheikh Abdelaziz, Ali Sheikh, Sheikh Mohammed ibn Ibrahim, Ali Sheikh,
Ali Sheikh, c'est-à-dire la famille du Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Les descendants du Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Comme eux, c'est les Saoud, les descendants du Mohammed ibn Saoud, le premier émir. Tous les Ali Sheikh dont on entend parler, ce sont les petits-fils du Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. D'où ce pacte entre ces deux familles, il est resté que la famille Ali Sheikh s'occupe du côté religieux et de la fatwa et de les conseiller, et que la famille Saoud, elle s'occupait du côté politique et directionnel. Donc vous comprenez d'où ça démarre. Alhamdulillah, c'est parti d'une base sur la sunna et le tawhid. Et par Allah, tabarak wa ta'ala, il a choisi que ce pacte-là, il a été la cause que le tawhid et la sunna se répandent dans beaucoup de pays. Dans cette époque. Après, il y a eu des périodes avec plus de manquements que d'autres. Certains rois moins attachés que d'autres, mais jumlatan, ils ont appelé au tawhid et à la sunna. Voilà. C'est clair que les premiers Ali Saoud, c'est pas comme les derniers Ali Saoud. Mais alhamdulillah, jusqu'à maintenant, c'est la sharia et le kitab et le sunna qui sont dirigeants dans ces pays-là. Contrairement à tous les autres pays du monde. Fa'anasallah tabarak wa ta'ala yuwaffiqahum li thabati ala dhalik. On demande qu'Allah les raffermisse sur cela, car ils ont beaucoup de pression, en interne et en externe, pour les empêcher de faire cela. Et d'ailleurs, rahimahullah, le roi qui est mort, et le nouveau roi, il est venu, le premier discours qu'il a fait, il a dit, on reste sur la voie de nos parents, on va appliquer le Coran et la Sunna comme nos parents. Voilà. Donc au moins, le discours, il a été clair dès le premier jour, qu'Allah le raffermisse dans cela. Là. Donc, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a écrit pas mal de livres, surtout des épîtres sur le Tawhid, et son livre le plus connu, c'est Kitab al-Tawhid. Il a fait aussi Thalathat al-Usul, les trois fondements, et aussi les quatre règles dont on va parler aujourd'hui, et d'autres livres sur des résumés sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou des règles de la salat, ou des parties de tafsir. Rahimahullahu, tabaraka wa ta'ala. Et les savants ont considéré, et il l'appelle Cheikh l'Islam, car il a été vraiment la cause de revivifier le tawhid et la aqidah sahiha à cette époque, où vraiment, ça faisait un moment qu'un grand savant n'était pas venu revivifier ces points-là de aqidah et de tawhid. Et regardez, jusqu'à maintenant, dans le monde entier, les gens étudient ces livres et ces épîtres, et ils les enseignent, et c'est un grand bénéfice. Et c'est un grand bénéfice. D'ailleurs, les savants disent que, et c'est le livre Kitab al-Tawhid que Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a écrit, il a dit c'est rare de trouver un livre dans ce domaine-là aussi bien. Il dit on ne connaît pas de livre aussi bien dans ce domaine, dans l'aqida. Ou alors peu. Combien de ulama ont dit du bien de ce livre? Allah Ta'ala lui a donné le tawfiq, la permission de ramener les preuves du Coran et de la Sunna et de répondre à toutes les ambiguïtés qui étaient autour du tawhid. Et il est mort, oui, bien sûr, en l'an 1206 de l'Hégire, ce qui équivaut à 1791 de l'ère grégorienne, ou bien du calendrier grégorien de l'ère chrétienne. Il a eu de nombreux enfants. Ses enfants aussi, ils ont appris la science avec lui. Et parmi ses enfants, il y avait aussi des savants. Et parmi la famille Saoud et les descendants de Saoud, il y a aussi des savants qui avaient appris de lui, plus d'autres des tribus arabes qui étaient venues apprendre auprès de lui la science. C'est-à-dire, en Arabie, après la da'wah de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, et après que tous ces savants et les petits-enfants, ils ont fait la da'wah du tawhid et de la sunna, ils étaient naïfs, ils ne connaissaient pas autre chose. Ils ne connaissaient pas les sectes, les ikhwan, les tablir, ils n'ont jamais connu ça, eux. Ça sort d'autres pays que de chez eux. C'est pour ça que quand ils ont été attaqués, on va dire, par ces sectes, ou quand ils sont venus chez eux, tellement ils étaient naïfs, ils n'ont pas pris garde à eux. Donc, ils se sont fait infiltrés par ces sectes-là jusqu'au point où aujourd'hui on voit des Saoudiens, Tabliri, Ikhwani, Qutbi, etc. Alors qu'au début ça n'existait pas chez eux ça. Ça c'est parce qu'ils ont eu la naïveté de croire c'est nos frères, ils n'ont pas vu le mal. Ils ont dit ah eux ils font da'wah, ma'alesh, ils font da'wah. Mais ils pensaient que c'est la da'wah comme eux, la da'wah du tawhid. Ils ne savaient pas que leur da'wah c'est une da'wah de shirk, de soufiya, de hizbiya. Et les autres que c'est une autre da'wah. Ils ont découvert, malheureusement, ils l'ont découvert quand ils en ont souffert eux-mêmes.
Et il n'y a que réellement, vraiment dernièrement, où ils ont pris des mesures contre ces sectes-là, dures. Ils les ont interdits, ils les ont considérés illégitimes, illégales dans le pays. Ils ont interdit les prédicateurs qui appellent à ces sectes-là. Donc c'est vraiment dernièrement qu'ils commencent à prendre plus des mesures. Mais malheureusement, c'est un petit peu tard. Car leur poison, il s'est répandu dans la société. Non. Donc, la risala, al-qawa'id al-arba'u. Les quatre règles de base. Pourquoi elle est importante? Et quel est son contenu? Les quatre règles de base, son contenu et l'objectif de cette épître, c'est de bien connaître le shirk et les mouchriquins. Connaître le shirk et les mouchriquins. Le polythéisme et les polythéistes. Pour bien connaître le tawhid. Car le shirk, c'est le contraire du tawhid. Et le shirk, c'est ce qui annule le tawhid. Donc si quelqu'un ne connaît pas ce qui l'annule et ce qui est contraire au tawhid, effectivement, il risque de tomber dedans. Et comme on a dit, il y avait parmi les compagnons Hudhayfa ibn al-Yaman, lui, il demandait que sur, comme il dit moi, tout le monde demandait au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le bien, moi je lui demandais sur le mal, pour m'en préserver. Et c'est lui d'ailleurs qui retenait tous les hadiths sur les fitans, sur le mal, sur les munafiqines. Donc, comme il dit le poète, عرفت الشر لا للشر ولكن عرفته لتوقيه ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. J'ai reconnu le j'ai appris le mal non pas pour le mal mais pour m'en préserver. Et celui qui ne connaît pas la différence entre le mal et le bien, يقع فيه, il tombe dedans. Et la da'wa de Ahl Sunna wal Jama'a, c'est d'appeler au tawhid et de mettre en garde contre le shirk. Et d'appeler à la sunna et de mettre en garde contre la bid'a. Et d'appeler au bon comportement et aux hautes moralités et de mettre en garde contre les mauvais comportements les mauvais comportements et les déviances dans la moralité. L'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas juste appeler au tawhid sans mettre en garde contre le shirk. Ou appeler à la sunna sans mettre en garde contre la bid'a. D'ailleurs, dans le shahadatain, il y a un nafyu wal ithbat. Ashhadu an la ilaha illallah. Tanfi wa tuthbit. Tu renies toute adoration, que toute chose ou tout autre qu'Allah mérite l'adoration. Et tu affirmes qu'Allah seul mérite l'adoration. Donc c'est pareil. La da'wa de la sunna, il y a nafyu wal ithbat. On renie tout ce qui est contradictoire au tawhid. Et on affirme tout ce qui fait partie du tawhid. De même qu'on renie ce qui est contradictoire à la sunna, c'est-à-dire la bid'a. Et on affirme la sunna. Hakad. Donc celui qui a une da'wa dans laquelle il ne fait pas ces deux parties, ce n'est pas la da'wa d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Et c'est ça qu'on trouve chez beaucoup de hizbiyyin qui font croire, que les gens font croire que ah, ces gens-là, mashallah, ils appellent au tawhid, mashallah, ils appellent à la sunnah. Tu ne les entendras jamais mettre en garde contre la bid'a, clairement. Il va te dire, toute innovation est un égarement, comme ça en général. Dis-lui d'accord. Alors dis-nous quelle innovation est dangereuse autour de nous ici. Il ne va rien te dire. Il ne va jamais t'en désigner une. Ni une personne, ni un groupe, ni rien. Car il veut plaire à tout le monde. De même pour l'aqida. Alors que Ahl Sunna wal Jama'a, c'est ça leur da'wa. Da'wa ila tawhid wa tahdhiru min al-shirk. Wa da'wa ila sunna wa tahdhiru min al-bid'a. Wa da'wa ila al-akhlaq al-hasana wa tahdhiru min al-akhlaq al-sayyi'a. Non. Donc voilà le contenu de cette risale qui va ramener des règles pour reconnaître le shirk
et les mouchriquines. Et montrer clairement que quelqu'un peut se prétendre de l'islam, mais s'il n'a pas, c'est-à-dire s'il fait du shirk, ce shirk-là, il annule son islam, tout simplement. Donc la risala commence par le basmala. Bismillahirrahmanirrahim. La basmala, c'est le fait de dire Bismillahirrahmanirrahim, c'est la sunna quand on écrit un courrier ou quand on écrit un livre. Car Allah tabarak wa ta'ala a commencé son livre, le Qur'an, par la basmala. Donc, iqtida'an bi kitabillah. واقتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرسل الرسائل et aussi en prenant exemple sur le prophète صلى الله عليه وسلم quand il envoyait des lettres au roi. Il commençait par بسم الله الرحمن الرحيم. Contrairement à la khutbah ou au dars dont la sunna est de faire الحمد, on commence pas une khutbah ou un dars par بسم الله الرحمن الرحيم mais إن الحمد لله ou bien الحمد لله, car le prophète صلى الله عليه وسلم quand il commençait un prêche, il commençait par Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu. Il ne disait pas Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc la sunna fil kitab, dans l'écriture, la sunna c'est de commencer par le basmala. Et dans la parole, quand on prend la parole, la sunna c'est de commencer par alhamd, par faire les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a plusieurs hadiths qui parlent du fait que l'importance de citer le nom d'Allah dans chaque chose, dans le début de chaque chose, qu'une œuvre dans laquelle on ne cite pas le nom d'Allah au début, elle est manquante ou tronquée. Puis il a dit As'alullah al-Karim, Rabb al-Arsh al-Azim, an yatawallaka fi d-dunya wal-akhirah, wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta, wa yaj'alaka mimman idha u'tiya shakar, wa idha ibtuliya sabar, wa idha adnaba istaghfar. Puis il a dit j'implore Allah, le généreux, le seigneur du trône immense, qu'il te prenne sous sa protection ici-bas comme dans l'au-delà, de te bénir où que tu sois et de te placer du nombre de ceux qui, lorsqu'ils reçoivent une faveur, se montrent reconnaissants. Lorsqu'ils sont éprouvés, font preuve de patience. Et lorsqu'ils commettent un péché, implorent le pardon d'Allah, car ces trois qualités sont les clés du bonheur. Donc, comme à son habitude, le cheikh commence ses épîtres en invoquant Allah pour ses élèves, ou pour les gens qui vont lire le livre. Ceci pour plusieurs raisons. Car la da'wa du prophète, c'est une rahma, c'est une miséricorde. Et les prophètes, ils ont été envoyés comme miséricorde, comme rahma, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et les professeurs et les enseignants et les savants, ce sont les héritiers des prophètes. وَرَثَةُ الْأَنْبِيَا. Et les professeurs et les enseignants, ils ont pris la place que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait, la place essentielle qui était l'enseignement. Donc il faut qu'ils aient aussi cette caractéristique et cette qualité d'être miséricordieux envers leurs élèves, envers les gens à qui ils enseignent le bien. Donc on voit ici que le cheikh veut du bien pour celui qui l'écoute, car il fait dua pour lui. Quand quelqu'un il fait dua pour toi, quelqu'un tu le rencontres, il fait des dua pour toi, ton cœur il s'ouvre à lui ou il se ferme? Ton cœur, il s'ouvre à lui. Tu te dis, cette personne, elle veut mon bien. Je vais écouter son conseil. Je vais écouter ce qu'il a à me dire. N'est-ce pas? Donc, le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, dit, As'alullah al-Karima, Rabb al-Arsh al-Azim. Je demande à Allah, le généreux, le seigneur du trône immense. Donc ici, il a d'abord affirmé un attribut parmi les attributs d'Allah qui est Al-Karam. Hein? Allah tabarak wa ta'ala karim. Hein? La générosité. Et c'est lui le plus généreux, subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi lan tuhsuha. Et il a aussi
affirmer l'arche. L'arche, qui est le trône. L'arche, le trône sur lequel Allah est établi, subhanahu wa ta'ala, comme il a dit dans le Coran, Ar-Rahmanu ala l'arche istawa. Établi d'une manière qui lui incombe. Kama yaliqu bi jalalihi wa kamalihi wa subhanahu wa ta'ala. Donc, il a établi ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le généreux et que huwa rabbu al-arshi al-azim. C'est lui le seigneur du trône immense. Et bien sûr que ce trône, il est immense. Car le repose-pied, qui est al-kursi, wasi'a kursiyuhu al-samawati wal-arb. Déjà, il est plus large que les cieux et la terre. Ça, c'est le kursi, le repose-pied. Et l'arche, il est encore beaucoup plus grand que cela. Puis il a dit an yatawallaka fi dunya an yatawallaka fi dunya wal akhirah, qu'il te protège en ce monde et dans l'au-delà. C'est-à-dire il a demandé tout le bien pour toi. Si Allah il est ton protecteur, qui peut te faire du mal? Si Allah te protège et te prend sous sa protection dans ce monde et dans l'au-delà, quel mal peut t'atteindre? Rien. Lian Allah tabaraka wa ta'ala huwa ni'mal mawla wa ni'mal wakil. Car c'est lui subhanahu wa ta'ala le meilleur maître et protecteur. Ni'mal mawla wa ni'mal nasir. C'est lui le meilleur protecteur et le meilleur défenseur subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui est le protecteur des croyants. Subhanahu wa ta'ala. Donc celui qu'Allah ta'ala prend sous sa protection, alors celui-là, aucun mal ne peut l'atteindre. Et Yusuf alayhi salatu wa salam, il avait dit, mon Seigneur, tu m'as donné, قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. Tu m'as donné une royauté et tu m'as enseigné l'explication des rêves. Créateur des cieux et de la terre, tu es mon protecteur dans ce monde et dans l'au-delà. Donc on voit que Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab a pris cela du Coran, de demander qu'Allah te protège dans ce monde et dans l'au-delà. Comme Yusuf alayhi salam a dit, tu es mon protecteur dans ce monde et dans l'au-delà. Puis il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse an yaj'alaka wa an yaj'alaka mubarakan. Et que tu sois mubarak. Mubarakan aynama kunta. C'est-à-dire qu'Allah, il met en toi la baraka. Où que tu sois. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, en parlant de Isa, alayhi salatu wa salam, il a dit que Isa disait, il demandait, waj'alni mubarakan aynama kuntu. Et fais que je sois mubarak, béni, sous la, avec la baraka, où que je sois. Le fait de demander d'être mubarak, ça comprend plusieurs choses. Premièrement, ça comprend d'être salih, d'être pieux en soi-même. Car la personne qui est pieuse, le croyant pieux, il est mubarak. Partout où il ramène le bien. Car il pratique les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et il craint Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'il fait. Donc ce qu'il touche et ce qu'il fait, ou partout où il est, il ramène le bien avec lui. Donc il est utile à lui-même et il est utile aux autres. Il est utile à lui-même et il est utile aux autres. Donc, partout où il est, les gens profitent de cette baraka qu'Allah a mis en lui. Comment il profite de cette baraka? C'est avec son comportement, avec le fait qu'il pratique les ordres d'Allah en eux, qu'il ne les opprime pas, qu'il n'est pas injuste avec eux, qu'il leur enseigne le bien, qu'il les aide pour le bien, qu'il espère pour eux la guider et le bien. Donc, hadi baraka min Allah subhanahu wa ta'ala. Et le croyant, il n'est pas tamma'. Il ne cherche pas à profiter des autres. Mais au contraire, c'est lui qui leur ramène le bien. C'est lui qui ramène le bien pour les gens. C'est lui qui a une haute moralité.
Car il y a des gens, c'est tout le contraire. Il n'est pas Moubarak. Tu ne veux pas son assise. Tu as peur d'être piqué par son mal. Tu le fuis. Contrairement aux croyants, At-Taqi, An-Naqi. Puis il a dit, Rahimahullah, وَأَنْ يَجْعَلَكَ مِمَّنْ إِذَا أُعْطِيَ شَكَرْ وَإِذَا بْتُلِيَ صَبَرْ وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرْ. Et que tu fasses partie de ceux qui, quand une faveur, quand ils reçoivent une faveur, se montrent reconnaissants. Et lorsqu'ils sont éprouvés, font preuve de patience, et lorsqu'ils commettent un péché, implorent le pardon d'Allah. En faisant cette dua, il a demandé tout le bien pour toi. Car l'être humain, il ne sort jamais d'une de ces trois situations. Regardez la vie d'un être humain. Il n'est jamais en dehors d'une de ces trois situations. Ou bien, il jouit d'un bienfait d'Allah. Ou bien, il a fait un péché. Ou bien, il est éprouvé. Donnez-moi une situation en dehors de ces trois dans le monde. Sur terre, il n'y en a pas. Il n'y a que ça. Ou bien il est en train de jouir d'un bienfait d'Allah, ou bien il est touché par une épreuve, ou bien il a fait un péché et il a eu des manquements. Tout être humain ne sort jamais d'une de ces trois situations-là. Et il a donné la manière dont le croyant doit réagir dans ces trois situations. Et c'est pour cela qu'il a dit... Après avoir cité ces trois situations, car ces trois qualités, ces trois caractéristiques sont les clés du bonheur. Effectivement. La première caractéristique, mimman idha u'tiya shakar, de ceux qui, quand ils reçoivent une faveur, se montrent reconnaissants. Ash-shukru. Quelle est la différence entre le shukr et l'hamd? L'hamd, il est plus général dans le sens que la louange à Allah, on l'a fait en toute situation. Quand on reçoit un bienfait, ou même quand on ne reçoit pas de bienfait. Même dans les malheurs, on dit Alhamdulillah, ala kulli hal. N'est-ce pas? Donc, l'hamd, c'est une louange à Allah, ibtida'an. Direct. Pas en retour d'un bienfait qu'il nous a donné. Ça, c'est une différence. Ibtida'an. Alors que le shukr, c'est en retour d'un bienfait qu'il nous a donné. C'est la reconnaissance. Deuxième différence, alhamdou, c'est plus général dans le sens que c'est quand on a un bienfait ou quand on n'a pas de bienfait. Ou quand on a même un malheur. C'est dans tous les cas, alhamdou. C'est quand on est touché par un bienfait ou autre. Bikhilaf al-shukr, contrairement au shukr, à la reconnaissance, qui est spécifiquement quand on est touché par un bienfait, quand Allah nous donne un bienfait, on est reconnaissant. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui n'est pas reconnaissant envers les gens, n'est pas reconnaissant envers Allah. C'est-à-dire, si quelqu'un te fait un bien, tu n'es pas reconnaissant envers lui, c'est un manquement en vérité de reconnaissance envers Allah. Donc ça montre que c'est en retour de quelque chose. C'est pour ça que l'hamd, alhamdulillah, wahda, la louange, elle n'appartient qu'à Allah. Personne d'autre. Alors que shukr, la reconnaissance, tu peux l'avoir envers une créature. Tu peux être reconnaissant envers une créature qui t'a fait du bien. Tu lui rends le jamil. A'taka al-jamil, ataruddu lahu al-jamil. Il t'a donné le bien, tu lui rends le bien. Et c'est ça l'islam. Même tu lui rends mieux, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Même quand on lui faisait du mal, il rendait mieux. Sallallahu alayhi wa sallam. Non. Il y a une différence. Donc, de ce point de vue, l'hamd est plus général et il est spécifique pour Allah Ta'ala. Al-shukr, il est plus précis, c'est-à-dire c'est un retour, c'est une reconnaissance sur un bienfait que tu as reçu. Mais, al-shukr, il est plus général d'un autre point de vue. Car le shukr, ça peut se faire par le cœur, par la langue, et par les membres, par le corps, par les actes. Contrairement au hamd, le hamd ça se fait qu'avec la langue. Et la langue et le cœur, bien sûr. La reconnaissance du cœur, mais avec la langue. Le hamdou c'est un acte de la langue. Tu loues Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux pas
faire al-hamd avec les œuvres, avec les actes. Wadih. Amma shukru, tu peux le faire avec la langue, avec le cœur et avec les actes. Avec le cœur, comment ? Tu reconnais que ce bienfait, il vient d'Allah. Et tu es reconnaissant dans ton cœur envers Allah. Et comme ils ont dit certains salaf, haqiqat al-shukr, la vérité du shukr, c'est que tu saches que quoi que tu fasses, tu ne seras jamais assez reconnaissant envers Allah. Quoi que tu fasses. Comme ils ont dit certains, si Allah il t'a permis de prier la nuit, alors jeûne le matin pour être reconnaissant envers lui qui t'a donné le tawfiq, la permission de prier la nuit. Et s'il t'a donné la permission de jeûner le matin, alors prie la nuit pour être reconnaissant qu'il t'ait donné le tawfiq, la permission de jeûner la journée. En vérité, haqiqat al-shukr, an ya'lam al-insan, annahu ajizun, an yaqouma bihaqqi Allahi tabarak wa ta'ala fi shukr. C'est ça, que tu saches que quoi que tu fasses, tu ne seras jamais assez reconnaissant envers Allah. Ça, c'est avec le cœur. Tu as ce sentiment. Tu sais que tu es reconnaissant envers Allah pour tous les bienfaits qu'il t'a donnés. Les bienfaits, ni'am al-zahira wal-batina, bienfaits apparents et cachés. Et le meilleur bienfait, c'est l'islam. Et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il avait dit aussi un des salafs, il a dit, je ne sais pas c'est quoi le meilleur bienfait. Est-ce que c'est quand Allah m'a guidé à l'islam ou bien qu'il ne m'a pas fait parmi les khawarij? Il dit, je ne sais pas. Le meilleur bienfait, est-ce que c'est quand Allah m'a guidé à l'islam ou bien que je ne suis pas un khawariji? Donc pour montrer que les deux meilleurs bienfaits pour une personne, c'est l'islam et la sunna. Al-shukr donc avec le cœur. Al-shukr avec la langue. Que tu reconnaisses avec ta langue. Tu ne dis pas les bienfaits, ah, tu dis ça c'est à moi, ça c'est grâce à lui, ça c'est tunkir ni'mat Allah. Comme Allah Ta'ala a dit, ya'rifuna ni'mat Allah thumma yunkirunaha. Ils reconnaissent le bienfait d'Allah, puis ils le renient. Comme il a dit Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab dans Kitab al-Tawhid, ça c'est les personnes qui disent c'est grâce à un tel, c'est grâce à un tel. Au lieu de dire c'est grâce à Allah. Donc pour montrer, donc avec la langue, toute chose, tu dis Alhamdulillah, bifadlillah, bimannillah, bini'matillah, bitawfiqillah, tout le temps. Tout ce que tu fais, tu dis pas par ma force, grâce à l'autre, par mon intelligence, par mon... Là, bifadlillah, bini'matillah, bitawfiqillah, bihamdillah. Ta langue, elle ne fait que reconnaître le bienfait d'Allah. Ça vient que d'Allah seul. Troisième manière... d'être reconnaissant envers Allah, un shukr, hein, comme Allah Ta'ala a dit, agissez la famille de Daoud en étant reconnaissant envers Allah. Donc il leur a dit, i'malu ala Daoud shukra. C'est avec les actes qu'ils font le shukr. Comment ? C'est que ce bienfait qu'Allah t'a donné, tu ne l'utilises jamais dans le haram. Tu ne l'utilises jamais dans quelque chose qu'Allah t'a interdit. Tu l'utilises dans ta'a, dans l'obéissance d'Allah. Comment Allah il te donne la santé, ta santé tu l'utilises dans le haram. Allah il t'a donné l'argent, cet argent tu l'utilises dans le haram. Allah il t'a donné une intelligence, cette intelligence tu l'utilises pour faire du mal ou pour penser au mal, etc. Toute chose qu'Allah t'a donnée, si tu es la reconnaissance envers Allah, shukr, c'est que tu l'utilises dans le halal. Tu l'utilises dans le ta'a, dans l'obéissance d'Allah. Hada bin nisbati shukr. Et quand il est éprouvé, il patiente. La patience, on a fait toute la khutba sur ça. Je ne vais pas vous détailler beaucoup. Hein? Mais en résumé, la patience, c'est sur trois points. Patienter dans l'obéissance d'Allah. Car l'obéissance, elle demande un sacrifice dans certains actes. Sacrifice de temps, sacrifice d'argent, sacrifice de ta personne. Une certaine fatigue, mais qui est acceptable. Allah ne nous a pas chargé une chose au-dessus de notre capacité. Tout ce qu'il nous a rendu obligatoire, c'est huwa fi wus'ina, c'est dans notre capacité. Wa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Fattaqullaha mastata'tu. Ma amartukum bi shay'in ma nahaytukum an shay'in fajtanibuhu wa ma amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tu.
Donc, alhamdulillah, les ordres, ils sont liés à l'istita'a, à l'qudra, à la capacité. Celui qui ne peut pas prier debout, il prie assis. Il ne peut pas prier assis, il prie allongé. Il ne peut pas faire l'ondo, il fait tayammum. Il ne peut pas faire ni d'ondo, ni tayammum, ni rien, il est emprisonné. Il prie comme ça. Hakada. Toujours rien, un tarfif. Iza daqa al-amru tasa'. À chaque fois, dans l'islam, quand il y a une difficulté, il y a un tarfif, il y a un allègement. Alhamdulillah. Donc, patienter dans l'obéissance d'Allah. Deuxième catégorie, patienter face aux interdits. C'est-à-dire ne pas, quand on est attiré à faire quelque chose d'interdit, on patiente pour ne pas tomber dedans. Quand notre âme bestiale nous pousse à faire le haram, ou à dire le haram, ou à écouter le haram, ou à aller vers le haram, on se retient. La troisième catégorie, patienter quand on est éprouvé, et c'est ici qu'il parle de ça. « وَإِذَا بْتُولِيَا صَبَرًا » Quand il est éprouvé, il patiente. C'est-à-dire qu'il ne dit et qu'il ne pense avec son cœur que du bien d'Allah, qu'il ne dit ce qui plaît à Allah et qu'il ne fasse avec ses membres que ce qui plaît à Allah. Et il y a des degrés entre celui qui est satisfait et celui qui dit « Alhamdulillah, ala kulli hal », ça c'est le plus haut degré, qui loue Allah subhanahu wa ta'ala pour les bienfaits qu'il lui a donnés. وَإِذَا أَذْنَبَ إِسْتَغْفَرْ Et quand il fait des péchés, il demande, et lorsqu'il commet un péché, implore le pardon d'Allah. Non. كُلُّ بَنِي آدَمْ خَطَّى Tout fils d'Adam est pécheur. وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ Les meilleurs des pécheurs, ce sont les repentants. Allah, tabarak wa ta'ala, il ne t'a pas demandé de ne jamais tomber dans l'erreur. Il t'a demandé d'essayer. Qaribu wa saddidu, de s'approcher de la perfection. De faire le maximum de ne jamais tomber dans l'erreur. Mais ce n'est pas possible. On est des êtres humains. Allah nous a fait manquants, faibles. Mais les meilleurs des manquants, ce sont at-tawwabun, les repentants. Ceux qui demandent pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, qui reviennent à Allah. Allah ta'ala parle de cela et dit Inna alladhina taqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Ceux qui craignent Allah, qui se prémunissent contre Allah, contre sa colère, son châtiment, quand ils sont touchés par un groupe de shaytan, c'est-à-dire qu'il les a poussés à faire le haram, tadhakkaru, ils se rappellent. Et voilà qu'ils sont clairvoyants. Un croyant, il peut tomber dans l'erreur. Mais il ne reste pas profondément dans l'erreur. Il se repent et il corrige. Il revient. Il se repent et il revient. Plusieurs hadiths sur ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Si vous ne faisiez pas de péché, la dhahab Allahu bikum. Allah vous aurait emporté et aurait amené un peuple qui fait des péchés et qui aurait demandé pardon à Allah, hein, et Allah leur aurait pardonné. Subhanahu wa ta'ala. Donc Allah aime qu'on lui demande pardon. Allah aime que l'on revienne à lui repentant, qu'on reconnaisse nos erreurs, qu'on pleure devant lui et qu'on se repente de nos péchés et de nos erreurs. Car ces trois caractéristiques, ces trois qualités sont les clés du bonheur, effectivement. Celui qui, quand Allah lui donne, il est reconnaissant. Et quand il est éprouvé, il est patient. Et quand il fait le péché, il demande pardon à Allah. Hada, c'est quelqu'un qui vit heureux dans cette vie et qui sera heureux dans l'au-delà éternellement. Inda malikim muqtadir. On s'arrête là pour ce matin, inshallah. والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وقل رب زدني علما